Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce fan game de AM2R, une nouvelle fois. Mais celle-là, chers joueurs et chères joueuses, ceci est peut-être une des plus grosses, le plus gros changement que j'ai vu sur ce jeu. La full release de AM2R. Le full changement du jeu. Tout a été revu, tout a été changé, tout est beau. Je n'ai pas encore touché au jeu, j'ai juste regardé la cinématique pour faire les réglages. Je n'en attends pas moins de celle-là. Pour moi, je sens que ça va être peut-être le meilleur fun game Metroid du monde. Voilà, j'en perds mes mots. À l'heure actuelle, je veux dire, il est 22h10. La release est sortie depuis 10 minutes. Nous sommes le 6 août 2016. Nous fêtons les 30 ans de Metroid aujourd'hui. Alors, évidemment, y a une coïncidence, évidemment. Alors, je veux savoir. La cinématique, allons-y. Metroid. Le nombre d'incidents dans le passé a mis en lumière la haute destructivité, le haut pouvoir destructif de cette forme de vie qui était connue dans toutes les autres planètes. Afin d'assurer la paix dans la galaxie, la Fédération Galactique ordonnait l'extermination de toutes les formes de Metroid. J'étais la meilleure candidate pour ce job. Une fois encore, je me trouvais avec moi-même seul face à la menace Metroid. Quelles horreurs auraient pu m'attendre dans cet univers? Oh putain, c'est beau. Putain, c'est beau. Ah mais là je suis conquis. Alors par contre, ça va être tant d'axes de jeu au stick. Ah, ça va être tant d'axes, je le sens. Alors mon stick gauche ne répond pas, bizarrement. Donc du coup je vais devoir faire la crête. Alors allons-y, commençons. Je vais juste... Alors là on a la carte. Le temps de jeu, ça d'accord. Ouais, je sens qu'il y a un de mes sticks qui est en train de faire de la merde. Du coup je vais changer ça vite fait dans les contrôles. Alors que dire là-dessus? Rien que ça. Juste le fait d'avoir une petite cinématique, une petite histoire. Ça Ah, analogue, voilà. Les balls close. Aussi le stick analogique. Qui veut quoi là? Moi rien que d'avoir eu ça, ça m'a. Oh, ça m'a donné des frissons. Ah mais moi je suis Ah mais je suis... Ouais non, bon d'accord. Donc je vais devoir jouer la croix directionnelle. Alors, rappelons les contrôles de ce jeu magnifique. Alors, nous avons donc les sticks. Le stick analogique évidemment ne marche pas pour moi, je ne comprends pas. Voilà, mon stick fait de la merde, c'est pas grave. Nous avons les points de vie en haut à gauche, c'est que le nombre de missiles de départ qui sont au nombre de 30, que je permets avec B et désarmé avec Y. Je peux me mettre en Morph Ball. Capacité qu'on a déjà avec RT, donc collection avec manette Xbox. Les diagonales bas avec. Alors je ne connais pas, c'est LT, les diagonales haut avec LB. Et donc RB fait aussi missile. Pourquoi pas? Oh, la petite pause qu'elle prend. Regarde bien cette petite pause. Ça, c'est cool. Quoi d'autre avec son tir et puis c'est déjà pas mal. Donc du coup allons-y, voyons ce qui a changé. Et en haut à droite nous avons aussi le nombre de Metroid dans cette zone. Alors pour le moment rien n'a beaucoup changé. Ah si, ces ennemis ont changé. Alors attendez, ces ennemis normalement, si vous vous souvenez, ils étaient différents. Voilà, on nous apprend à utiliser donc hold LB pour diagonale. Alors ces ennemis là n'ont pas changé, mais les ennemis que vous avez voyez au sol, eux ont changé, ça je l'ai bien vu. Je l'ai reconnu. Là nous avons le Morph Ball. Le shot.
On n'a pas encore les gants de... Non, on n'a pas encore les gants. Alors là, ces ennemis ont-ils changé? Non, ils ont pas changé. Pour l'instant, il y a un ennemi qui a changé et c'est déjà beaucoup, je trouve. Alors peut-être qu'il y en a des gens qui attendaient plus, mais moi je m'en fous, je suis heureux. Alors de ce côté, il y a un Metroid. Alors on va y voir si le Metroid a changé. Et ça, si ça a changé, bah, ce serait beau. Par contre, je crois que ça va être un peu tendax de faire des wall jumps. Alors bizarrement, mon stick analogique gauche ne reconnaît pas la direction droite, ne reconnaît pas la direction gauche. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est peut-être... Ah, je veux voir. Et même à droite, ça fait de la merde. Oh, ça va être très handicapant contre Combat Metroid si je décède. Ouais, ils ont changé. Normalement, ils étaient pas de cette couleur là. L'eau n'était pas de cette couleur là non plus, il me semble. Donc là. Ah, c'est un truc. Alors allons-y. Le point de save. Important, les sauvegardes. Les points de sauvegarde n'ont pas changé. Bah, pourquoi pas. La lave. Ah, la lave. Ah, ça y était pas. Ça n'y était pas. Là, normalement, il y avait un chemin tout court. Oh la vache. Ah, à la manette. Ah là là. Ah si, je peux m'accrocher. Oh, c'est chaud. C'est tendax. Là, normalement, il n'y avait pas ça. Alors, allons-y. Là, je me prépare. Le Metroid. Attention, le Metroid n'a pas changé. Donc là, la même strat, hein. Les vrais strats, hein, vous connaissez. Ah putain, c'est chiant. Ça va être extrêmement dur. Ok, normalement je vois que Metroid, donc les vibrations devraient s'enclencher. Parce que, voilà. Je sais pas si vous entendez, mais le mail vibre et ça c'est beau. Donc ça veut dire que la lave descend une nouvelle zone. Ok, alors évidemment, lorsque l'on tue tous les Metroid d'une zone, la lave descend et fait apparaître un nouvel endroit. Moi, il y a un endroit que je voudrais vous montrer. J'aimerais savoir s'il y a un nouvel endroit. Celui juste après, l'espèce de grande tour où il y avait un boss mécanique avec plusieurs types de boucliers. Mais déjà, juste ça, c'est extrêmement beau. Pour l'instant, quelques gros améliorations graphiques au niveau des ennemis, ce qui est déjà ça, c'est quand même un gros travail. Après, je pense, je vais pas vous faire une grosse vidéo dessus parce que y a des chaînes américaines qui font déjà très bien ce travail. Moi, je vais juste vous montrer la suite. Donc là, normalement, tac, petit passage secret. Par contre, ma manette fait de la merde, c'est très désagréable. Je ne sais pas. Par contre, le seul truc qui me dérange, c'est qu'il n'y a plus la carte sur cette interface. C'est assez désagréable. Ces ennemis-là n'ont pas changé. Donnez-moi de la vie. Merci. Les points de vue n'ont pas changé. Je suis caché. Je n'ai pas fait ce que je voulais. Ah, ça va être très complexe. Le jeu à la manette. Donc là, on descend. Ces ennemis sont toujours pareils. En même temps, ils sont très bien. Ceux là non plus n'ont pas bougé. Alors, par contre, ce que vous entendez, c'est du bruit extérieur parce que professionnalisme sur 20, on entend tout. Alors, par contre, tomber dans la lave, c'est le décès. Tous les joueurs de Metroid savent ça. La lave, c'est votre plus grand ennemi tant que vous n'avez pas la. C'est la variation. Ça doit être la variation. Alors ces ennemis là n'ont pas bougé, c'est un d'ailleurs. Toujours la même tête. Ah c'est... Je pense qu'ils auraient pu changer ça. Là y'a rien. Là y'en aura. Voilà. Là y'en a aussi. Alors la première zone, je ne sais plus quelle est-elle. La première zone, quelle est-elle? Est-ce que tu peux mourir toi? Oui. Ah, si je pouvais aller en wall jump, je le ferais volontiers, mais trop chaud. Alors attention. Alors là, ça n'a pas bougé, je suis déçu.
va monter, on va monter, on va découvrir. Normalement, je suis dans les ruines Chozo. Peut-être. Alors là, il n'y a pas beaucoup de changements. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de gros changements. Ce que je trouve assez dommage. Ah si, oula, oula, là il y a du changement. Ça, ça y était pas. Ah, pas du tout ça. L'intérieur a été refait. Enfin, le pont a été refait. Et c'est beau. On aime l'intérieur aussi. J'ai un doute. Cette salle a été refaite par contre. Ouais. Là c'est carrément la salle qui a été refaite. Les statues Chozo n'ont pas bougé. Ouh, ça, ça a changé par contre l'écriture. Donc on va voir la Morph Ball qui fait des bombes. Ouais, la... Comment ça s'appelle ? La police d'écriture a changé. En changement, on a que des changements sur certains ennemis, sur certains lieux et sur certaines salles. Ce qui en soit pas mal. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est la suite du jeu. Pour voir s'il y a une suite. Parce que la dernière fois, pour ceux qui ont regardé la vidéo qui date d'il y a plus d'un an déjà, parce que ce jeu est en développement depuis je sais pas combien d'années. La dernière fois, bah, je pense que j'ai déjà vu le début de vidéo. Je vais me répéter pour rien. Donc là, normalement, on a une tank. Ça, ça n'y était pas. Là, je pense que toute l'aventure est différente et c'est beau. Ah, c'est beau, ça vous voyez, j'aime. Donc, ouh, ouah, ça y était pas du tout, même. Ouah, je découvre des choses. Oh, putain. Ah, je suis en train de faire un monstre. C'est quoi ça? Ouah, quoi ça sert? Là. Ouah, il y a des nouvelles zones. Oh putain. Oh, mais alors là. Ah, mais alors là. Ah mais alors là. Ah mais c'est bon Ah mais prenez mon argent. Ah mais si c'était un jeu payant, ah mais je donnerais mon argent. Oh là là. Le charge beam, ok. Ah le charge beam a changé. Ouais. Il a changé. Il a changé. Est-ce que ça aura une incidence sur ceci? Parce que normalement, si je fais charge beam plus morph ball, je sais pas si ça a marché. Mais alors ça, c'est bizarre. Mais qu'est-ce que c'est ça, putain? Oh putain, c'est mystérieux, c'est des mystères mystérieux. Est-ce que là, ça... Ah, ça aussi, ça a changé. Ouais. Les recherches, tremblement de terre. Hop, les cycles de vie. Les espèces natives. Oh, putain, ce... Ah, mais... Non, mais c'est tellement beau. Ah oui, est-ce que aussi... Non, pas ça. Voilà. Ça aussi, ça a changé. Ça, c'est beau. On peut sélectionner, désélectionner les améliorations. Alors là, il y a une porte secrète, normalement. Ah non, elle n'a pas été notée. Ah, mais là, je suis heureux. Je suis un petit enfant, là. Un petit enfant devant un cadeau de Noël. Là, je sais quoi ça. Ah, puis ils me disent même ce qu'on a récupéré.
Ça, je trouve que c'est beau. C'est pas mal. Oh, putain, c'est beau. Y a pas un... Je sais que... Attends, il faut que je fasse là. Une finique boom jump. Ah, il y avait rien là. Ok. Normalement, là, il me semblait qu'il y avait un passage. Ah, mais je suis... Je pense que je vais pas tout vous montrer non plus pour éviter le spoil. Le spoil. Mais je vais vous montrer la suite. Donc, du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter pour cette première partie, entre guillemets. Parce que bon... Parce que bon... Mais voilà. Putain, mais ce pont. Là, il y a un Metroid. Donc, du coup, là, il y a. Non seulement il y a une save. Mais en plus, il devrait y avoir une amélioration qui se trouve tout en bas. Alors, comment ils l'ont rendu tout en bas? Là, tout en bas, ils l'ont pas super bien. Ils l'ont pas changé du tout, même. Voilà, la Spider Ball. Là, normalement, on peut remonter si on utilise... alors... Comment j'utilise là la merde. Ah, c'est ça, CLB. C'est long et chiant. Mais bon. Bien, donc du coup, je vais m'arrêter là. Pour le moment, je vous retrouverai à la fin pour voir ce qui a réellement changé, surtout s'il y a une fin au jeu, si la fin a été programmée, si on peut aller plus loin. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve donc alors à un endroit précis. J'ai fini le jeu juste avant de vous présenter, avant de vous dire plein de choses. J'ai fini le jeu, ça c'est bon. J'ai mis 4 heures vu que je connaissais le début. Du coup, je vous montre, je vais vous finir cette vidéo en vous montrant, on va dire, assez rapidement la dernière zone du jeu. Je vais déjà vous présenter toute la carte de ce fin de game. Alors, on part du vaisseau qui est juste ici. Alors, attendez, je vais essayer de. Voilà. On part du vaisseau qui est juste ici. On descend. Et ensuite, on continue de descendre dans toutes les zones. Alors, si vous ne comprenez rien, c'est normal, je vous explique rien. Vous découvrez ça seulement si vous jouez. Et il y a beaucoup, beaucoup de zones. J'espère que vous vous rendez compte de tout le travail qui a été fait autour de ce jeu. Le jeu est terminé. Je crois que c'est le seul truc qu'il y a à retenir. C'est que le jeu est terminé. Je suis dans la dernière zone. Il y a tout ça. Et pour ce qui prouve aussi que le jeu est terminé, c'est que j'ai toutes les upgrades disponibles de Metroid 2. Savoir que le rayon de glace, j'ai eu un peu de mal à le trouver, je ne sais pas pourquoi. J'ai toutes les améliorations de bot et tous les autres équipements que l'on peut trouver. Et aussi, paradoxalement, il y a les mission logs. Alors, il y a plein de choses. Je vous montrerai très vite et stop. Voilà, je vous montre que ça. Et maintenant, je vais vous montrer très vite la dernière zone du jeu. Dernière zone du jeu qui est, je pense, la plus belle. La plus belle, j'en suis sûr. Alors, ouais, une statue Chozo. Oh, détruite. Par contre, j'ai repris le contrôle au clavier parce que je préfère. Et donc, du coup, nous arrivons dans un endroit étrange, mystérieux. Et alors attention, l'œuf, les gens, c'est la fin du jeu, ça. Il y a l'œuf et 9 Metroid. Et là, si vous avez déjà joué au jeu, oh, je peux détruire les boules, je ne savais pas. Et si vous avez déjà joué au jeu, je peux détruire des trucs. Putain, c'est cool. Voilà, voici les Metroid. Les Metroid, les vrais, les purs, les durs, avec les vraies méthodes pour les battre. Alors évidemment, moi, je n'y arrive plus. Hein. Je n'y arrive plus, voilà. Du coup, la stratégie est simple. Soit 3 missiles, soit un super missile.
c'est beau. Et là, je pense que pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, voilà, nous voici dans la dernière zone, les laboratoires génétiques. Alors, je vais pas traduire, je vous laisse. Mais là, on sent que c'est la fin, on sent qu'on y est, on sent que là, l'apothéose du jeu. Sinon, que dire? Eh ben, encore une fois, téléchargez-le. Le lien pour le télécharger, c'est dans la description. Et pour ceux qui sont sur tablette ou mobile, sur internet, vous cherchez Another Metroid 2 blogspot.com. Et normalement, vous l'avez. Du coup, je vais m'arrêter à un endroit précis. Pas ici pour le moment. Merde. Je vais m'arrêter lorsqu'il ne me restera plus qu'un Metroid, car le dernier Metroid, eh bien je vous laisserai la surprise de le découvrir. J'en profite aussi dès maintenant pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et pour tous les fans de Metroid, voici la fin, voici Metroid, voici la baisse, 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 la baisse. Non, non. Oui. Est-ce que je vais décider quand il dit? Non. Voilà. Donc je disais merci à tous d'avoir suivi, d'avoir attendu les vidéos de Another Metroid 2. Je sais que celle-là a mis un peu plus de temps, car j'attendais vraiment la très très grosse mise à jour qui est finalement... Non mais... Enfin, c'est pas vrai ça. Voilà. Moi je m'en fous si je crève, hein. J'ai déjà fini le jeu. Voilà. Je pense que là, je vais pas en faire un let's play parce que ce serait chiant. J'ai pas envie de me retaper tout le jeu une seconde fois. Mais je pense que d'autres personnes vont s'en charger à ma place. Allez, le dernier, on l'a vu dans l'ombre. Et voilà. Et c'est ici que je m'arrête. Donc oui, donc je répète tout depuis le début parce que je me perds. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et tous aussi d'avoir attendu les vidéos sur Another Metroid 2. Le jeu est enfin disponible, le lien dans la description. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à mettre un like, à le partager pour nous à tous les fans de Metroid. Que Another Metroid 2 Return of Samus est sorti complet. Il y a encore quelques petits détails à changer, du coup il y aura des modifications qui seront faites dans les mois qui viennent. C'est le créateur qui l'a dit. Si c'est la première vidéo sur laquelle vous regardez, je vous invite à regarder le contenu que je produis. Et si ça vous plaît de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter en @reus1. Bon jeu et à la prochaine. Et aussi de me partager en commentaire vos statistiques quand vous aurez fini le jeu. Salut.